vous explique. Là, je suis en bas de chez mon mec, d'accord? Je suis en bas de chez mon mec, donc là il est en train de se faire tout beau, etc. Il est en train de descendre parce que je lui ai dit que on allait aller au restaurant et c'est vrai, on va aller au restaurant. J'ai réservé un restaurant et on s'est mis tout bien, tout beau, etc. Et là on va aller manger. Tout en sachant également que j'ai appris que ce petit bâtard il me trompait, c'est-à-dire que dimanche j'ai appris qu'en fait il était en couple pendant que lui et moi on était en couple depuis presque 2 mois. Il était en couple lui depuis 8 mois, donc il trompait sa copine avec moi. Jusqu'ici on est d'accord. Donc moi qu'est-ce qui se passe? Je le quitte, etc., etc. J'apprends ensuite de par sa copine qu'en fait il m'a menti de A à Z. Sa situation professionnelle est fausse. Il a menti sur son travail. Il a menti sur sa société. Il a menti sur le fait qu'il avait un enfant. Il a menti sur tout. Mais quand je vous dis sur tout, il y a que son prénom qui est vrai. Même sur ses origines, il a menti. Est-ce qu'on fait ça? Donc là, je me suis remise avec lui. Là, il pense que je lui ai pardonné, que vraiment on va aller de l'avant, que on va être un couple soudé. Tose. Il y a aucun couple soudé ici. Là où je vais l'amener, ça va être très simple. On va aller se faire beau. On va aller sur un restaurant, comme je vous l'ai dit, à Courbevoie, un restaurant que vous connaissez très bien, qui commence par un B. Je lui ai dit que c'était moi qui l'invitais. Du coup, là, je vais l'inviter. Il va se faire beau, etc., etc., etc. Arrivé là-bas, avant le dessert, je vais me barrer. Je vais le laisser là-bas parce que là, on y va avec ma voiture. Du coup, je vais le laisser là-bas. Il va sortir sans argent, donc il va s'afficher. Et ensuite, il va rentrer comment? Quand tu verras cette vidéo-là, sache que là, regarde, c'est quelques minutes avant que tu rentres dans ma voiture. Parce que là, regarde, je t'attends. Quelques minutes avant que tu rentres dans ma voiture et que je vais t'embrasser. Je vais t'embrasser vraiment comme si t'étais l'amour de ma vie. Je vais te dire des mots, tu vas être choqué. Sache que je mens. Tu me prends pour une petite garce. Tu me prends vraiment pour une débile mentale. Tu me prends vraiment pour une femme avec qui t'aurais pu jouer. Aujourd'hui, ta cuenta, tu vas la payer. Mais là, tu le sais pas encore. Regarde, là, je suis en train de rouler. Je m'avance vers ton domicile. Tu ne le sais pas encore. Regarde, là, je vais arriver en bas de chez toi. Tu le sais pas, mais quand tu vas voir ce TikTok-là, tu t'en souviendras. Sois le chien. J'arrive plus à contrôler ma folie. Mes potes, donc, ils sont mal. Il y a un air du coup. Il y a un MDR, bien sûr. Derrière moi le bâtard. Quand je te dis il était derrière moi, c'est il était derrière moi. Quand je te dis il était derrière moi, il était derrière moi. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai pas compris ton délire. Ah, réponds-moi, voilà. Tu joues à quoi là? T'es passé devant moi. Et voilà, c'est petit. Voilà. Oh, une petite salope quand même.